Amen pour la parole de Dieu. Amen pour la prière. Avec la grâce de Dieu, nous allons lire de l'Ancien Testament. C'est le livre des juges, chapitre 16 et verset 15. Donc je répète, nous allons lire du livre des juges, de l'Ancien Testament. Chapitre 16 et verset 15. Elle lui dit, Comment peux-tu dire que je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi dit Dalida. Voilà trois fois que tu es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit. Le rasoir n'a pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je suis rasé, ma force m'abandonnera, je deviendrai faible et je serai comme tous les autres hommes. Dalida, voyant qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, leur fit dire, Montez contre lui cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force, et il dit alors, Les Philistins sont sur moi, sans son. Et il se réveilla de son sommeil, et dit, Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins se saisirent de lui, et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent, avec des chaînes d'airain, il tournait la meule dans la prison. Amen. Samson, son nom veut dire le soleil, parce qu'il a été élevé comme juge dans le peuple d'Israël pour libérer le peuple d'Israël, ce peuple qui avait accompli ce qui n'était pas. Agréable à Dieu. Et Dieu les avait livrés aux Philistins, ce peuple d'Israël. Et Dieu a soulevé des juges pour que ces juges puissent soulever son peuple. Donc, Samson, une personne qui était déjà depuis le ventre de sa mère consacrée à Dieu, il était Quelqu'un qui avait des dons de Dieu, il avait un don qui se révélait par une force surnaturelle. Une personne qui avait accompli de bonnes actions et des prodiges sur la terre par le Saint-Esprit, c'est-à-dire comme par exemple, il a tué un lion. Il a tué 30 Philistins en une fois lorsqu'ils se sont moqués de lui. Et il a aussi tué 1000 Philistins avec la mâchoire d'une mule. Et il a aussi tué 3000 Philistins. Mais il avait aussi beaucoup de faiblesses sans son. Donc cette personne Samson qui était consacrée à Dieu, dédiée à Dieu avec des forces surnaturelles, des forces du Saint-Esprit, il avait beaucoup de faiblesses aussi. Pourquoi avait-il ces faiblesses Parce qu'il avait une mauvaise habitude de de s'approcher des Philistins et pourtant il était consacré à Dieu, mais il, il approchait les Philistins. Il allait à côté des, des, des nations qui étaient autour d'Israël. Donc sa faiblesse se révélait par des, des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, comme par exemple, il voulait se marier avec une Philistine. Il n'obéissait pas à ses parents. Et souvent, il mentait. Et souvent, il euh, s'accommodait avec euh, les nations qui étaient autour de lui. Et la, la caractéristique, pardon, il était aussi matérialiste. Il avait des sentiments de ce monde actuel. Et il était facilement pris euh, d'amour et d'émotion. De quelqu'un qui était dans ce monde, qui n'était pas israélien. Et le résultat, quoiqu'il était un des plus forts juges, puissants juges d'Israël, il n'a jamais réussi à faire amener le peuple d'Israël à la repentance, à la tchouva, comme on dit. Et il n'a pas réussi à libérer le peuple d'Israël de ses mauvaises habitudes. C'est une personne que Dieu avait choisie, donc euh, il lui a donné des dons, donc à Samson, et il a établi de devenir juge du peuple d'Israël, mais lui n'a pas accompli sa mission comme il fallait. C'est un exemple pour nous tous les chrétiens qui est très important. Parce que Dieu nous a choisis, nous a appelés à nous repentir et à devenir ses enfants et ses disciples, et devenir et nous a rassemblés dans son Église, et il se révèle dans notre vie. Dieu se révèle dans notre vie quotidienne. Mais le danger est devant nous. Et attention pour nous de ne pas faire comme Samson et de nous retrouver dans le royaume de Dieu passé par des épreuves de feu, donc des épreuves très douloureuses. C'était ici Samson quelqu'un qui avait une force du Saint-Esprit énorme et c'est quelque chose de très éducatif pour nous. Que les forces du Saint-Esprit à l'homme ne garantissent rien du tout. On peut être très fort spirituellement par le Saint-Esprit, mais voyons le résultat de Samson. Et souvenez-vous de Gédéon qui était dans la crainte, dans la peur, et qui pressait du grain, il brisait du grain, il. Il était à moudre du grain là, son travail. Et Dieu, cette personne qui faisait ce travail, qui était craintif et peureux, Dieu l'a utilisé dans son service et il a sauvé le peuple d'Israël. Et Samson, de l'autre côté, qui était le plus fort, puissant, n'a pas réussi, a échoué dans son... Action, dans sa mission, dans son service. Parce que son cœur n'avait pas cessé, depuis le début de sa vie, d'être tourné vers le monde et vers ce qui plaît au monde et vers les Philistins et vers ce qui est matérialiste, ce qui est charnel et comme point de. comme sommet, comme. Euh... aboutissement. Il s'est retrouvé lié, attaché par la, cette femme de Dalida, laquelle il est tombé amoureux. Et ça, c'était la fin de tout pour lui. Comment cette femme a t elle réussi, de quelle manière et de quelle force, à réussir à persuader Samson, qui était fort spirituellement, euh, par le Saint Esprit, de lui révéler? que son sacre à Dieu et c'est-à-dire il ne disait jamais qu'il il était à Dieu, il n'avait jamais coupé ses cheveux, c'était le signe extérieur de son consacrement à Dieu. Et il n'avait jamais bu du vin et il ne s'est jamais souillé avec un mort. Parce que sinon il aurait perdu son consacrement à Dieu, son sacre à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui a laissé avoir ses dons, le don du Saint-Esprit, lesquels n'étaient pas assez pour le sauver et en même temps pour qu'il puisse être au service de Dieu, il a échoué dans sa mission, il a échoué dans son œuvre, Samson, il a échoué dans sa famille, il a échoué dans sa vie. Il a échoué, il a échoué même dans la mort glorieuse qui devait lui arriver et il a sauvé son âme par en passant par le feu donc le feu de l'épreuve mais c'est parce qu'il était charnel il était matérialiste il était de ce monde il vivait pour le matériel pour ce qui est terrestre et pas pour ce qui était céleste c'est pour cela une force comme qui avait dalida a réussi à le persuader à le convaincre de lui de lui dire son secret de lui révéler son secret de sa force et elle a utilisé bien sûr la ruse pour apprendre et comment elle a réussi à le faire dormir sur ses genoux elle a appelé des philistins et ils ont rasé sa tête et combien si bas tombe l'homme s'il ne fait pas attention à ce qu'il a en lui, ce qui, le, ce qui règne en lui dans son cœur. Lorsqu'il avance et marche selon les volo la volonté de sa chair, combien plus les volontés et les désirs de son cœur, combien plus avec sa pensée et ses, ses opinions. Voyons, voyons comment il est arrivé là comment il s'est retrouvé dans cette situation à cause qu'il n'était pas prudent et il ne priait pas que Dieu nous garde de cette situation et de ce piège dont est tombé Samson et que Dieu nous donne cette et nous savons que à celui qui a été donné beaucoup Beaucoup lui sera redemandé. Et que Dieu nous garde de cette situation. Et la parole de Dieu insiste sans arrêt. Ce n'est pas seulement de vivre sous le Saint-Esprit, mais de marcher selon le Saint-Esprit ça c'est la garantie et la sécurité et ça c'est la gloire de Dieu c'est pas seulement d'être d'avoir reçu la renaissance être baptisé du Saint-Esprit et avoir des dons mais aussi marcher selon la volonté de Dieu accomplir la volonté de Dieu être quelqu'un qui met en pratique la volonté de Dieu et nous voyons le résultat de cette personne qui était fort en force par le Saint-Esprit, serviteur de Dieu, juge du peuple d'Israël, Samson, a été aveuglé. Il a perdu sa vue, sa force, et il est arrivé à être, à devenir, à moudre le grain en tournant une meule. Euh, par sa euh, par lui-même. Et voilà le résultat de ce qui lui est arrivé parce qu'il avait en lui un autre esprit, l'esprit du monde. L'apôtre Paul nous dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu pour connaître et vivre ce qui nous a été donné par Dieu pour vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit certainement vous allez dire que là là où il était dans sa prison il était lié attaché, il tournait comme un cheval la pierre à moudre le grain il était humilié dans l'humilité dans la misère je pourrais dire et dieu lui a redonné une certaine force là dans sa situation là où il était tombé et pendant les vingt années qui étaient juge bien sûr dieu l'avait établi pour beaucoup plus mais il a perdu toutes les autres années dans les désirs de la chair dans les désirs de ce monde, tout ça est en dehors de la volonté de Dieu. C'est là, dans sa détresse, dans sa souffrance, il a retrouvé l'approche de Dieu. Et Dieu nous nous demande de faire attention à notre cœur. Il nous demande de faire attention, de ne pas perdre notre vue. et que Dieu prenne ce qui nous a donné. La vie du chrétien, chers frères et sœurs, n'est pas facile. La vie du chrétien, je répète, n'est pas facile. L'apôtre Paul nous dit, j'ai accompli la bonne action dans ma vie. Et jusqu'au jour où nous entendrons la voix de la trompette de Dieu, nous allons continuer dans ce combat, dans cet effort, et même à l'apôtre Paul, Dieu a permis qu'un ange du diable le frappe pour que son cœur ne se, euh, ne devienne pas hautain et qu'il soit prétentieux et qu'il perde le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait permis cela. À l'apôtre Paul, pour qu'il ne se glorifie pas lui-même sans orgueil, qu'il ne s'enorgueille pas, qu'il ne devient pas orgueilleux et qu'il perde le royaume de Dieu. Dieu est prêt. Il est prêt à punir chaque désobéissance. Et lorsque l'homme de Dieu, la personne de Dieu, connaît la volonté de Dieu, sait ce que Dieu désire, il apprend, il demande à Dieu, il écoute Dieu, et il demande aussi aux hommes, mais il doit se soumettre, se rabaisser et accomplir la volonté de Dieu. Le jour suivant n'est pas agréable. S'il ne fait pas la volonté de Dieu. Et si il ne fait pas la volonté de Dieu, il va être mis à l'épreuve par Dieu, pour qu'il retrouve sa, euh, sa conscience et son droit chemin. Et les Philistins ici nous lisons que ont joué avec Samson. Et dans cette terrible humilité, et Dieu a permis qu'il retrouve une certaine force. Il l'a alors, il s'est souvenu qu'il doit faire quelque chose pour Dieu. Je vais faire quelque chose pour mon peuple, je vais faire quelque chose pour moi-même, a t il dit Samson, par ma mort au moins, a t il dit au moins par mon décès. Et il a fait. Il a pris donc son, a pris les colonnes du temple où il était, de la maison où il était, et ses forces lui sont revenues, et comme il était attaché à ces colonnes où il était là, il a fait tomber, il a fait détruire le temple où il était. Devant lui, il y avait deux chemins, le chemin de la bénédiction, de la réussite dans l'œuvre de Dieu, et il y avait un autre chemin, le chemin de l'échec et de la malédiction. Et c'est pour ça que Samuel, le prophète, a dit Choisissez aujourd'hui ce que vous, qui vous voulez adorer. Nous savons que quelqu'un garde ses dons ne veut pas dire qu'il a pris le chemin de la bénédiction. Attention. Et il est très clair qu'il y a des situations pires où la parole de Dieu nous dit certains qui ont prophétisé en ton nom. En ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles, en ton nom nous avons chassé des démons, et le Seigneur leur dit le Seigneur Jésus leur dit Je ne vous ai jamais connu, parce que votre cœur était tourné vers ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui donc, chers frères et sœurs, c'est le temps propice, c'est le temps du salut, qui que tu sois. Qui que tu sois, si tu entends la parole, cette parole qui est de Dieu, n'endurcis ne, pas ton cœur, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que sinon nous allons laisser nos os dans le désert. Nous devons rabaisser notre cœur, nous devons prendre une position d'humilité et demander à Dieu qu'il change, qu'il change la volonté de notre cœur, les désirs de notre cœur, et qu'il change nos, nos convoitises et nos désirs matérialistes, et qu'il nous amène à une sanctification, à une situation de bénédiction. Aujourd'hui donc, aujourd'hui, est un temps propice, est un temps agréable pour nous repentir, pour dire j'ai fait une erreur, je change de chemin, aide-moi Dieu, j'ai fait une erreur, j'ai fait une faute, je change, je, je, je me repens de ce que j'ai fait, je regrette, je ne dois pas marcher avec mes sentiments, mais avec ta parole. Et je ne dois marcher avec les craintes de te déplaire. Voilà comment je dois marcher. Je dois marcher selon l'esprit que tu nous donnes. Amen. Amen pour la parole de Dieu. Nous te remercions pour ce message, Seigneur.